Je suis Monsieur K, vous êtes bien dans The Big Game Ski, on y retourne où ça? Bah, dans The Ascent. Cette fois-ci, pour cette deuxième session, j'ai pris soin préalablement de l'installer, non pas sur un disque dur classique, mais sur un SSD. Histoire que ça se passe un petit peu mieux, parce que si vous avez regardé le stream précédent, j'ai expérimenté quelques petites saccades pas très agréables, et surtout qu'elles arrivaient quand l'écran commençait à se charger en ennemi, et du coup c'était un poil beaucoup énormément gênant. On va voir si ça se passe mieux maintenant. Je relance le bousin. Alors, je vous ai pas précisé encore, mais apparemment, je me débrouille mieux dans le jeu au pad que au clavier souris, étrangement. Alors quand même, c'est un bon truc à la Diablo. Donc on va voir ce que ça donne. Faut vite que je me rentre les touches dans la tête pour que ce soit vraiment instantané, que j'ai pas à réfléchir. Allez, action. Oui, le jeu a recours à beaucoup d'éléments, et du coup il n'arrête pas de piocher sur vos disques durs, donc si vous l'installez sur un disque classique, soyez pas étonné d'expérimenter vous aussi les différentes saccades que j'ai eues préalablement. Mon fameux ATH. Super, c'est la mission en cours, on y va. Oula, c'est pas très fluide au démarrage. Mais on va y arriver, je ne désespère pas. Longtemps sur le... Ah, je suis coincé par ce côté-là. Vraiment? Mais non, je me disais qu'il y avait une diablerie là. C'était pas cool. Exécuter les capacités d'augmentation avec... Oui, bah ça c'est ce que j'ai acquis juste avant de terminer la précédente session. Et c'est ce qui remplace la mana qu'on trouvait dans les jeux de rôle médiévaux. Et du coup, ça va être pas mal parce que le coup que j'ai est assez costaud. Je trouve pas que ce soit ultra fluide. Hein. Merde, désolé. C'est parti tout seul. Oui, souvent on décharge sur des civils qui n'ont rien fait, rien demandé, mais on est là comme un crétin. Et on fait. Je prends système quadricasseur, je sais absolument pas ce que c'est, mais ça doit être trop génial. Et du coup, le jeu est tellement chargé que. Il arrive à ramer dans quasiment toutes les configs. Donc quand ça lâche du monde, ça lâche du monde. Hein. Et je vous rappelle que la config sur laquelle il tourne actuellement est pas des plus minables, hein, parce que c'est quand même du bon gros i9, avec une 2080 aux fesses et 32 Go de RAM. Donc voilà, si le truc rame, c'est qu'il y a quand même un petit sous-seuil aussi d'optimisation. Peut-être. C'est assez rigolo ces changements de caméra qui sont tout seuls aussi. Ça vous fait une belle mise en scène. Oh là là, que c'est beau, nom de Zeus! J'en démords pas, hein. C'est vraiment. Oui, gorgeous, je garde le terme. Regardez-moi ça. Alors c'est juste dommage que ça rame autant. J'irai peut-être dans les options désactiver 2-3 trucs pour qu'on gagne en fluidité quand même, parce que c'est. Oh, super agréable d'avoir un jeu aussi bien léché, aussi bien foutu, qui on voit autant visuellement que qui n'est pas la fluidité qu'il mérite. Oui, la tristitude, tout ça, vous connaissez. Et des coffres à droite, je suis sûr. Non. Ok, non, j'ai rien dit, c'est pas grave, ça se tentait. Je pense que c'est là. Hein. The Ascent
Oh, même du SSD ça rame quand même. Oui, la DA, y a rien à redire, c'est du parfait, quoi. C'est assez ouf. C'est vraiment blindé de détails. Il y en a limite trop en fait. Mais bon, c'est ce qu'on demande. Hein. Si ça commence à canarder là-dedans, j'aimerais pas me mettre tous les civils à dos quand même, parce que ça va être... Oh bordel! Oui, j'anticipe déjà le pire. Oh là là. Oui, je prends mon temps parce que c'est pas tous les jours qu'on a ces genres de trucs et... Oh là là. Ah ouais, non mais ra-lovely quoi. Ra-lovely. Total. Qu'est-ce que c'est ça? Je pense que ça doit peut-être pouvoir s'utiliser plus tard, cette cabine d'appel ou je sais pas quoi. C'est vraiment somptueux. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est d'aller dans les options juste avant de déclencher la cutscene. Je pense qu'il va y avoir une cutscene. Et puis essayer de régler ce problème de ramage là. Est-ce que ça va mieux se passer? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Hein. Alors c'est peut-être le temps qui s'adapte, qui charge des trucs, je sais pas. On va voir. C'est assez ouf comme univers en tout cas. Pour le gag, je me mettrais presque la musique de Diablo quand on va au village. Oui, la fameuse, celle qu'on pourrait écouter pendant des heures, tellement elle est apaisante. Oh là 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 là. On va essayer de solutionner ce problème quand même d'affichage qui est pas terrible terrible. Aucune indication, c'est vraiment la dèche. Hein. On tente. Allez, banco. Là, je me trouve pas mal. Alors, j'ai pas d'outils pour mesurer le framerate, mais on est pas mal. Oh la vache, ce jeu. Alors, je me demande comment ça doit se passer pour les gens qui ont pas des configs qui ont moins de 3 ans. Parce qu'il doit falloir descendre en 1024, quoi. Ou supprimer tous les détails. Ça mériterait un court-métrage. Non, non, j'exagère pas, je suis vraiment émerveillé devant le truc. C'est magnifique. Comme ça rame sa mère, j'ose pas bouger là. J'attends que le truc se fluidifie. Apparemment, l'option processeur, c'est pas un bon truc à activer, je crois. Mode performance pros, non. La sagesse est là. Ah mais je suis passé en retracing. Ok, non non, on va enlever tout ça les gars.
On va enlever là. Pff, non, non, tu lances pas de rayon, c'est pas la peine. On n'est pas une centrale atomique. Allez hop, ça devrait aller beaucoup mieux d'un seul coup, vous allez voir. Oh, la vie est belle. Regardez comme c'est smooth d'un coup. Oh là là. Bon, désolé pour la galère, mais c'était histoire de voir ces problèmes de réglage graphique, et c'est vraiment dommage. Hein. Le studio, si tu m'entends, ton jeu, pour le configurer, mets des explications un petit peu pour les gens. Tout le monde n'est pas technicien de la NASA. Hein. Salut. En plus, il manque des traductions françaises. Ok. Ok, moi je vais voir ce que je dois aller voir là-haut. Oh là là. J'ai pas envie d'aller vite. Je vais quand même regarder ce qu'il y a de ce côté, je suis trop curieux. Oh la vue. Ah ouais les gars, faites-nous un court-métrage avec ce jeu. Mais même avec le jeu, le moteur du jeu directement, hein, pas la peine de faire un dessin animé. Qu'un dessin animé avec ses designs. Miam miam. Tiens, est-ce que c'est ça encore? Ok, un ascenseur. Il y a des salles qu'on peut visiter. On peut retirer de la thune. Big blop. Là, on peut rentrer là. Non, ça a l'air. Oh là là. Oh là là, si on m'avait dit il y a 20 ans qu'un jour je mettrais les pattes sur un jeu comme ça, j'aurais fait non, mais je serais mort avant. Mais non! Alors j'ai une belle longévité, faut dire. Mais pas que. Oh là là, c'est magnifique. On a envie d'y être, quoi. On a envie d'y être. Il manque juste le zoom, sérieusement. Oh, ce truc là. J'en veux un. Ça peut être un assistant? Bienvenue dans le fil avec votre cher Abbott le reconnaissant. Le groupe Ascent est entré instantanément en faillite après que l'IA principale a déposé le bilan. Il y a un sous-cycle de cela. Toutes les tentatives pour contacter le conseil d'admin du groupe ont échoué. Nous sommes toujours en attente d'un communiqué officiel. Bref, ça va être le chaos. With some claiming it's gone into default mode. If this is true, without AG security, corporate grab teams will C'est ça. Oh, le scénario est assez marrant. This is good. As you probably noticed, our dear Arcology just defaulted. Donc notre boîte vient de couler et ils ont largué tout le monde comme des bah, comme ils font vraiment dans la vraie vie hein, avec le Covid ici par exemple. Ah, oh, je l'ai dit, c'est terrible. Supérieur. On va aller voir ma fiche perso hein, tout à l'heure. J'ai toujours mon stick qui a envie de se balader un peu. Et du coup, je dois faire quoi? Billy, on fait un truc tous les deux ou... Non, c'est bon. Parler au Rési Boss Poon. C'est pas lui. Ah, c'est qui alors? Ah, c'est plus là-bas. Ok. Ouh, ça a l'air un peu chaud là. On va voir. Ah, il y a une caisse là. Je la veux. Pardon, pardon, j'ai repéré un bonus. C'est tout. Une fois que j'aurai pris, je m'en vais, promis. Oh, le inside, c'est trop bien. Ah, je peux pas passer à travers cet écran, Damned. On m'aurait menti. On m'aurait... On me... Verrouillé. Si c'est verrouillé, ça se déverrouille, buddy. Il est où mon truc? Chouille. Il y aura une commande cachée que je ne vois pas mais qui est piquée dans le coin. Arzo. Bon, tant pis pour moi une autre fois. Il veut vraiment pas. Ça va, bud? Bah oui. Comme dans le vrai monde de 2021. Bienvenue dans les emmerdements Maximo où les petits rois ont déclaré faillite et laissent tout le monde dans la merde. Il y a un sacré parallèle quand même, c'est limite inquiétant. Ah, je vais aller là-dedans.
Je suis sûr qu'il y a un truc super intéressant. Il y a des strippers, c'est obligé. Oh là là. When we need a company rally or inspirational calf mugs to hand out, I'll let you know, okay? Why the hustle? Ça a l'air d'être monsieur comme lui. All I'm saying is that we should stick together in a time of crisis and that we're here to help in any way we can. Ouais, je vais la recruter, elle. Is that I don't see how you can help right now. The Ascent group is gone and the board has gone quieter than a null-spaced column. Maybe you people should start looking to what's next. The Ascent group is not just the board, Poon. It's us. All of us united around an idea. The corporation can only collapse if we allow it. Whatever. An idea won't feed my indents or provide security when CorpSec gets wise to the fact that their paychecks aren't coming. Now you'll have to excuse me. My next meeting just arrived. Fine. We'll talk again later, Poon. Dois-je te recruter? And they're idiots. Oh, look at you. Positively bristling with ambition and a taste for mindless violence. My PA before was pure bullshit. This is a crisis supernova. The Ascent group has collapsed. Our ecology's gone into default, and we've lost contact with the board. Not that I expect those sleek suits to be able to unfuck this situation at any. No one is getting paid, and CorpSec will soon realize that they're risking their necks for exactly zero eucarets. We can expect security to implode before the cycle is over. The Ascent Group AGI suddenly went quiet. That's never happened before. So the market went apeshit and forced the Ascent Group into immediate bankruptcy. Now all local SIs are operating independently. Hundreds of optimizer protocols fighting for the same scraps. We're gonna see nutrient and energy shortages within just a few cycles. Thousands of habbers here will suffer. Am I painting a bleak enough picture for you? We're mutually dependent on the neighboring clusters for food, energy, and it pains me to say this, but it looks like we're the other stack bosses have agreed to meet. They're a bunch of it, but I don't see any other options. And my imp won't shut up about this being in a crisis like this. You can always expect to see a few witless wonders stepping up to bat. Ok, donc j'ai de bonnes chances de me faire recruter comme homme de main. They're threatening to attack the meeting, and I want you there if they do. The latest cream of the scum crop. With everything going on, they're seeing an opportunity to strengthen their stock. But I won't. It's all very clever. If I can reach an agreement with the other boss, considering the way things have been falling apart these last... But yeah, this is the largest... I expect they're busy ejecting themselves from this mess. First, they run the entire corporation into the ground. But I guess that's what you can expect. All right, enough questions. First, I need you to go to the grinder and scout ahead. Oh, and you'll need to gear up. Won't just be facing deep sink ferals anymore. Talk, feel free to flatline any slag-headed turbo viper just looking at your spear. Alright. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être acceptés les missions optionnelles en parlant aux personnes dotées d'une icône. Mm-hmm. Ok. Moi rantir harin ki minimum alla fad naiu aur vana fast mirio en husma pantikul kun fir kör big head you bet what is samala ist bet to kumun letztem titieri moi rantir big head yos aya. Alors est-ce que oula oui effectivement j'ai été équipé dites donc. D'accord, je peux augmenter mes points de compétences. Et ils sont où? Je les ai pas repérés, les gars.
peu, c'est mieux. Viser, ça peut aider aussi. Équilibre. Pour l'instant, pas trop besoin. Esquive, ça peut être utile. Ah, j'ai plus de quoi augmenter. Ok, jobs done, man. Où dois-je aller? Oh, pardon. Par là-bas. Eh ben, on y va. Et moi je suis bêtement. Le ménage, je crois. Bon, eux, ils sont gentils. Gentils. Tu veux pas venir avec moi, toi? Ok. Non, mais c'est pas grave. Oh là là. J'ai déjà dit que c'était Gorjous. Ouais, je vais persister parce que c'est Gorjous, quoi. Ça peut être ça. Tiens les gars, je suis le Judge Dredd, je viens en paix, si vous êtes un bon civil. Oui, les influences, c'est pas les pires qu'on trouve dans ce titre, c'est chouette. Ah, il y a un truc que j'oublie très fréquemment, c'est que quand on est sur un plan élevé, on touche pas vraiment les gars en dessous. Donc faut vraiment se mettre à leur niveau plutôt que de tirer dans le tas et gaspiller plein de munitions. Exemple. Comme à la foire. Ok, mais je fais le ménage là-dedans, ça m'amuse.
Ah putain, à chaque fois je me cours de... Ok, je vais juste check ici. Bon, on va pas y aller, ça a l'air très loin. Un petit défaut, c'est qu'on voit pas terriblement bien sa santé. Oh merde, je l'avais dit, on voit pas terriblement bien sa santé. Je sais pas trop sur quoi il base ce checkpoint, on va bien voir. Ok, c'est le début du niveau. Alors, je vais essayer de pas emmerder cette fois. Bien nettoyé ça. Putain, faut que j'arrête avec cette map. T'as de la chance, hein. Oui, j'oublie que je peux faire des petites roulades qui seraient peut-être salvatrices pour m'aider à esquiver un petit peu plutôt que de foncer comme un bourrin.
Alors, comment je m'accroupis déjà? Attends, je m'accroupis, je cherche à m'accroupir, je trouve plus le bouton. Oh putain, j'avais oublié que j'avais ça aussi en plus. Je vais aller là, je vais aller là, je vais aller là. Oh non, non, putain. Ah putain, je voudrais pas crever maintenant quand même. Je vous mixe ça. Révisons nos commandes les amis, parce que j'ai vraiment totalement merdé. Accroupi. Oh putain, c'était ça. Nom de Zeus. Désolé. Je sais pas si c'était mal, mais... Lui, c'est un peu tard pour m'accroupir, mais... Faut ce qu'il faut, les amis, hein. Vas-y, tente ta chance, bon. Yeah, yeah. Enflure. Ah, Dark, il va te plaire ce jeu, The Ascent. C'est vraiment très joli, hein. Je vais aller voir de ce côté quand même. Ah, je vais aller voir de ce côté quand même, des fois qu'il y a des bonus. Non. Bon, peu importe. C'est pas très clair les portes qui s'ouvrent et celles qui s'ouvrent pas. Hein. C'est dommage. Non, on va pas tout péter. Il est pas méchant. Aller voir là-dedans, c'est du monde qui me veut, qui m'attend. Non, juste un bonus, ça se prend que ça. À quoi ça sert ça? Je sais pas, je vais essayer. Ok, j'ai un respect. Bah, c'est pas mal. Méchant, gentil, gentil. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est pour se remonter la life. Ok, on va y arriver. Oh, arrête avec cette map. Trop de monde, trop de monde. Bien joué. Oh, double bien joué. Double dérouillé, comme dirait notre ami le judge. Ok. Ouais, non, le seul truc qui me chagrine, c'est ma vie. Hein. Faut regarder tout en bas à droite, et vu la résolution, ça fait loin du regard. Je regarde bien à gauche, dans la direction opposée en ce moment, et ça me procure pas mal de sueur. Hop, hop, hop. Nickel. Creep, die. Je sais pas, des petits trucs planqués un
plutôt là, non, rien. On va éviter de crever là, ce serait chouette. Pataplof, elle n'était pas morte là. Tu fais de la résistance. Ouf! Le lore, c'est que en fait je bosse comme esclave pour une méga entreprise et elle s'est cassée la gueule, donc elle a lâché tout le monde, tous les employés esclaves, elle les a tous lâchés à leur propre vie de minable, et il y a des clans qui commencent à se monter, à s'affronter. Je devais pas tirer là-dessus, moi. Oula, lui il dégomme. Et du coup, bah il va falloir que je me trouve un nouveau clan, un nouvel employeur pour arriver à m'en sortir. Et pour ça, je bosse avec des crapules qui essayent de réorganiser à leur sauce un petit peu le fonctionnement de cette société de dégénérés. Petit bonus. Peau de balle. Peau de ballas. Ok. Et bah, tant pis pour moi. Et du coup, pour l'instant, bah, je bosse pour les gens qui me payent le plus. Hein. Bon, pour l'instant, il n'y en a pas 36 000, il n'y en a qu'un. Et j'imagine que quand on va avancer dans le jeu, j'aurai peut-être des choix qui vont se développer, j'en sais rien. Et entre-temps, j'aurai eu le temps d'évoluer et d'augmenter mon personnage pour qu'il soit plus fort, plus puissant. Bref, comme Steve Austin. Oula. Saloperie, ça arrive. J'y prends pas, ça. C'est tristitude. Lui, j'utilise jamais mon truc de gauche. Ça va. Et ça marche bien, c'est ce qui remplace la mana. Oui, c'est une espèce de pouvoir augmenté qui demande à être rechargé, et oui, c'est l'équivalent de la mana de l'autre côté. Ah, où je me dis, voilà. Pas du portant, ouais, c'est chiant, mais je vais le faire quand même. Regardez. Oh, c'était beau ça. Alors faut le temps de s'habituer aux commandes, mais une fois que ça commence à rentrer, ça peut être pas mal. X. Fais voir ce que. Est-ce que je m'équipe de cette chose? Ouais, ça a l'air bien ça. Équipement. Primaire. Je voudrais bien le petit cauchemar, il a l'air sympa. Hop là. On va voir ce que ça donne. Oh, le beau jouet. On va s'entendre, je sens. C'est un méchant, lui. Il y a une tronche de méchant. T'es méchant? Non, il aurait déjà tiré. Il y a un mode coop, effectivement, je pense qu'on peut jouer jusqu'à 4. C'est un espèce de Diablo multi, en fait, mais version cyberpunk. Et c'est vraiment très excitant, parce que graphiquement, c'est de la tuerie. Et pour le gameplay, pour l'instant, je m'ennuie pas, quoi, parce que je suis tout le temps en mode découverte. J'ai quoi, même pas une petite heure de jeu dans le nez. Et du coup, bah, on avance et on fait que découvrir des nouvelles choses, c'est super bandant. L'ambiance, elle est fabuleuse parce que c'est très chouette. Ok, faut être brutal quand même, bah, c'est ok. Pfff, il s'est fait péter le coup. Hop, hop, hop. Fallait pas que ton flingue s'enraye en douille. Je voudrais bien la santé, moi, parce qu'elle a sacrément morflé. Pas de santé dans le coin? C'est vache. Si, peut-être là-dedans. Alors, le gros défaut du jeu, hein, comme j'avais dit, c'est que il est super gourmand en ressources et il va pas tourner sur toutes les babasses avec ce rendu-là. Hein. Faut pas s'emballer. Donc, c'est... Je serais curieux de voir avec des réglages plus minimalistes, voir s'il s'en sort si bien graphiquement.
Parce que là, c'est vrai qu'il est en mode tuerie, quoi. Et je pense que sur une autre babasse, ça doit pas être aussi joli. Mais ça doit être tellement rempli que du coup, ça doit faire illusion. Merde. Chier mon truc. Je voulais faire quelque chose et je l'ai totalement raté. Oui, j'ai ces grenades que je sais particulièrement pas utiliser, c'est un carnage à chaque fois. Je vais quand même passer au-dessus parce que je suis un petit curieux. Et j'ai bien fait. Big blob. Oui, je vais tout ratiboiser. Ce sera fait. Il y a des coffres en dessous, il faudrait que je récupère. Ok, on va filer là-haut. Alors je n'ai pas essayé le Warhammer Inquisitor comme tu dis. Il faudrait peut-être que je m'en inquiète, ça pourrait peut-être me plaire. En tout cas, c'est monstrueusement chouette. Moi, depuis le début, j'arrête pas de faire des waouh. Pour me remonter la life, je sais pas si c'est intéressant. On verra après. Des trucs qui explosent, des crétins allumés. On va s'entendre. Je mors, je mors. Ah, ils ont des gros pétards, ouais. C'est quoi cette barre de vie là? J'ai pas trop compris, mais bon, c'est pas grave. Santé. Ouf, ça va aller mieux. Alors, faudrait peut-être que je regarde dans les équipements de mon bonhomme. Si je peux améliorer 2-3 choses, on va se mettre par là, on va regarder. Hop, l'autre. Compétences, il y a des trucs à améliorer. Esquive, why not? Signe vitaux, je veux bien. Mais je peux pas. Équipement. On touche pas. Tactique, onde de choc, c'est très bien. J'aimerais bien que ça s'améliore, ça serait sympa. Armure. Bah, j'ai pas de nouvel équipement. Augmentation, est-ce que j'en ai une nouvelle que j'ai chopée? Frabitorolique, c'est celle du premier. Et j'ai pas d'autre augmentation sous la main. Quel dommage. Bon. Là, c'est la déception totale. Il va falloir que je me débrouille tout seul. Avec mes skills. Alors, il y a un truc bizarre dans l'affichage. Il y a le mec qui est à moitié mort encastré dans le mur, j'ai l'impression. Bon, peu importe. On continue la mission. J'espère que je vais pas crever tout de suite. Ce serait moche. Un petit peu de santé. Ça fait pas de mal. Ça sent le truc pas sympa pour moi. Je pense que c'est le pire truc à faire, passer là-dessus, non? Moi j'essaye, hein. Je suis très curieux. Ça va servir à rien ce que j'ai pris. Hop, hop, hop. On va les attirer là. Bande de nouilles.
Oh, le téléphone en même temps. Non, sérieux les gars, faites-moi pas ça. En plus, cette mélodie complètement niaise ne va pas du tout avec. Oh, je t'ai pris celui-là, j'ai bien senti. C'est la guerre. Faut pas que je me fasse trop allumer quand même parce que je suis pas loin de mourir là. Ah, le téléphone m'a ruiné mon karma là. Vous êtes témoin. Je vais récupérer tous les petits trucs bonus que j'aurais raté. Rien là-dedans. Il y a un truc bonus là-dessous, il y a énorme. À chaque fois, je me plante. Alors, équipement primaire. Ouais, c'est très bien ça. Est-ce que je swap? En swapé, crétin. Il veut pas sauver d'armes. C'est pas grave. Petit bonus pour papa, un peu de santé, un peu de life. Non, papa va mourir. Ok, on y va. Il y a beaucoup de munitions, c'est pas bon signe. Ça sent le boss dans pas longtemps. Il y a beaucoup d'explosifs aussi. Ça sent la meute dans pas très longtemps. Oui, j'avais un petit peu anticipé les têtes de noix. Bien des métal de neuf. Bien de voir papouner. Ou papouner l'été tout creux. Petit, 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 petit. C'est tout neuf ça, je prends. Ah, faut vraiment que je remonte ma life, je vais pas faire long feu sinon. Vous avez pas un peu de life? La life, on a pas? Oh, rien de ce bonus là-haut, comment je fais pour y accéder? Vous avez pas des tuyaux, des infos? Oh, bande de pecs! On va y aller calmos. On va se faire d'abord lui. Je me suis mis ma grenade! Si ça c'est pas la latch. Il faut pas hésiter à se replier quand c'est trop le bordel. Venez les gars, il y a un truc explosif là, c'est pour vous. Je vous le laisse. Non ? Grumbleur. La perte d'aggro est assez rapide. Ils sont partis mes pecs. Je suis pas en forme alors, vraiment pas en forme. La life les gars, je vais pas y arriver là. Je prends deux bastos, même pas. Eh, c'est cuit cuit. Cuit cuit le oiseau. Ah, comment je me suis fait avoir. Tu t'agenouilles pour ramasser un bonus et clac.
T'as un mec hors champ qui fait « Oh, regarde le petit oiseau mignon !» Blouch. Défoncer la tête. Oui, il va faire recommencer. Ouais, il va faire recommencer là, il est sympa. On va y aller calme. C'est une vue de l'esprit. Hein. Oui, je vais faire grand silence pour faire monter la tension. D'accord, c'est une tourelle. Oh putain, la tourelle, d'accord. Comment je me la dégomme, elle? Attends, baisse-toi. Laisse-toi et discute. Putain, comment elle est costaud en plus? Ah, il me faudra une grenade, les gars. Je vais me faire dégommer avant même d'avoir pu tirer dans cette tourelle de merde. Voilà, je l'avais dit. Personne ne m'écoute. On va faire comme ça au con. Hein. À toi, à moi. À toi, à moi. À toi, à moi. L'usure, ça peut marcher. Hein. Pour l'instant, c'est elle qui muse. Hein. Saleté de pourriture de bordel de... À quoi? Non, je me relève plus jamais, c'est fini. Je vais rester accroupi toute ma vie jusqu'à la fin du jeu. Même pas de bonus, rien. Peau de balle. C'est comme ça qu'on remercie les mercenaires. Bah, merci la vie, quoi. Le décor est tellement chargé qu'on passe devant des trucs, on oublie de les fouiller. C'est un truc de dingue. Alors maintenant j'ai deux clans contre moi, ça va être génial. Merci la vie. Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi j'ai dit oui? Ça a l'air trop sympa, regardez le mec en palais là-bas, comme il a l'air heureux de sa vie, qui s'achevait un petit peu tôt. Non, on contourne pas. C'est dommage qu'on n'ait pas une vraie map avec les zones sur lesquelles on peut passer, hein, à la Diablo, carrément je le dis. Chose. Ah putain, j'ai pas envie d'y aller moi. Regardez comme c'est accueillant. Welcome, Tranquility Park. Ça porte trop bien son nom, quoi. Ça sent l'amour. Ah, j'ai plus d'accès map, faut que je me démerde. Ok. Oh, on va dire ça, les gars. Moi, il n'y a pas de problème. Je m'adapte. C'est pas une map, ça? Non. Un petit panneau d'information, je sais pas. Regardez-les, on se tout. Regardez-les, ces as. Oh putain, ils m'ont déjà repéré. C'est ouf. Non! Mais non, les mecs! Non, je me barre. Moi. Courageusement, comme d'hab. Toutes mes fuites sont courageuses, vous le savez très bien. Piu piu, venez. Non, non, on va y aller mollo. J'ai pas envie de crever toutes les 3 minutes. Les mecs, ils sont tous sortis de leurs embuscades en même temps. Et là, ils se sont tous replanqués. Bravo. Je sais pas comment vous faites, mec. Il est très fort, on s'éloigne. Il s'est fait tirer dessus par son pote. Le friendly fire chez les ennemis, ça c'est un truc, ça me sert bien quand même, on va dire ce qui est. C'est ça, cassez-vous bande de nazes. Je vous poursuis maintenant. Eh les nazes, vous avez trop peur, regardez, j'ai des grosses balles. Deux ondes de recharge. Ça a l'air bien ça. Allez, fais péter. Ça vient de tous les côtés. Vas-y gros, approche ça. Viens, viens, viens. J'adore ce que tu fais. Lui aussi. Comme il tape. Ouf. Ça vient de tous les côtés. Ce jeu est vraiment fait pour le multi. Vous voulez pas me rejoindre les gars plutôt de critiquer? Oh la vache, on avait besoin de ce pack. Bon, calmons-nous.
Niveau BPM, j'ai regardé sur la montre, je suis à combien? 86. Oh, c'est étrange. Je me serais cru à 120. Ah, toujours pas de map, c'est démerde-toi. Donc, il doit y avoir un accès pour descendre tout en bas dans la fosse. Mais je dois vous avouer que, vous l'avez bien compris, j'ai hyper envie d'y descendre dans cette fosse. C'est pour ça que je contourne pour l'instant. Oh, mais c'est auto-guidé ce truc! Oh la vache! Comme on morfle! Ouh, comme je l'ai senti! Ouh, comme je l'ai senti! Cassos, courageusement, Cassos! Regarde-le avec sa sulfateuse, lui! Les mecs, soyez cool! Soyez cool! On peut s'entendre! Regardez! Lui, là. Coucou? Eh, fais coucou? Ah, trop loin! C'était à bout portant, j'aurais dû faire ça! Oh, comme il a dû me dire. Et il a. Vous avez vu ce qu'il a au-dessus de sa tête? Un joli logo pour faire voir que c'est un ami. Hop, hop, hop! Oh putain, ce jeu! Deux secondes, deux secondes, j'ai fait une blague. Une blague de mon cru. Regarde, regarde! Cabot! Ah, je passe là-bas maintenant. Sans rien. La life. Ah, il s'est pas allumé. Putain, il faut pas crever lui. Il est incroyable. Il a pas joué dans un film. Ah, quand même. Respire. Bon, meurs pas maintenant. Ah, oh, j'ai pas fait exprès. Je jette mes grenades quand il faut pas, quoi. En fait, faut jeter la grenade et il faut rappuyer encore un coup pour qu'elle pète. Monsieur Clack, on prend doucement. Oui, alors là, je suis totalement d'accord. Tu as acheté sur quel store? Bah, je l'ai pas acheté. Il est dans l'offre du XB Game Pass. Et du coup, bah, je me suis fait plaisir. J'ai fait, si c'est offert, c'est offert. Donc, tu joues. Là, par où je descends déjà? Galerie, ça s'est bloqué, là. Ok. Bon, bah, on va faire le tour, c'est pas grave. Si, c'est par là que je descends, je vais chercher mes bonus, me remettre un peu de santé. Ça ira mieux. Oui, il est inclus dans le Game Pass, et du coup, c'est pas désagréable. Bah, surtout que je veux pas faire de la promo, parce que je suis pas sponsorisé par ces têtes de nœuds qui sont même pas capables de me changer mon pad. Hein, monsieur Microsoft, France. Monsieur K a besoin d'un gamepad Xbox, normal, filaire, les anciens. J'ai pas besoin des nouveaux qui coûtent une burne. Et j'aimerais bien, parce que celui-là, il est mort. Et donc, ouais, mine de rien, leur offre est quand même bien. Voilà. Je peux même pas dire de méchanceté, c'est ça qui est chiant. Merci. Bon, j'ai fait le tour, mais il y a encore du monde. Ouais, c'est ça, tente ta chance, gros. Non, c'est toi qui viendras. Quelle horreur. Oh, il y en a encore un. Oh putain, il m'a défoncé. Doucement, doucement. Il reste un point de life et... Oh, gros, gros. Finish him. Oh putain. Oh putain. D'où ils sortent, les mecs? Ah, ça pique, hein? Ouais, ouais, ça pique. Patate timide, allez. Viens, papa. Tu connais la blague du gamer, du midlife gamer, et du mec qui est déjà mort? Non, parce que toi, t'es déjà mort. Aïe, aïe, aïe. Calme-toi, calme-nous. Oh putain, il me faut de la life. Il me faut vraiment de la life. Ah bah oui, puis il faudra que tu me mettes ton nickname Dark, que je puisse qu'on puisse se faire un multi, hein. Moi j'aimerais beaucoup qu'on se le fasse à 4. Normalement on peut faire une type de 4, hein, comme dans les Diablo-like.
J'en bafouille, dis donc. Et du coup, je pense que c'est un jeu qui est vraiment fait pour. Et chacun peut faire une classe de perso, j'imagine, au bout d'un moment. On peut vraiment spécialiser et ça donne envie. Faut vraiment que j'aille au niveau là, je crois. Non! 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 Oh, lui, il est merde, ce machin. Ça va pas recommencer, les gars! Non! Not in the flower of the age. Oh là là, oh là 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 là. Oh là là là, look at it, comme disait l'autre dans la pub. On va se remettre là tranquille, on va recharger, on va voir ce qui se passe. Oui, c'est fini. Toi par contre, voilà, c'est fini aussi. Allez hop, ça fait pas mal, ou pas peur. Je suis plein en life, cool. Bon, on y va. Ok, bah je regarderai, je te rajouterai. Comme ça, on essaye de se faire une team de 4, ça peut être vraiment sympa. Le jeu est magnifique. Par contre, faites gaffe au réglage. Si vous avez des babasses, comme je l'ai dit, donc pour la première émission qui passera avant celle-là, avec des SSD, mettez-le bien sur la partoche SSD. Parce que le truc est très gourmand, il arrête pas de faire des accès disques. Et je suis arrivé à faire ramer ma machine, qui est pourtant pas une machine toute pourrie. Ah mais y a rien à faire, c'est même pas une capture de n'importe quoi. Bon ok, je me casse, je rentre chez moi, quoi, je boude. Et du coup, oui, le jeu est extrêmement gourmand. En plus, il est peut-être mal optimisé. Ça m'étonnerait pas. Et du coup, sur des configs pas supra musclés, il y a moyen de souffrir. Et d'être obligé de descendre la qualité graphique, entre autres. Pour arriver à avoir un framerate décent et que ça saccade pas trop. Parce que quand le jeu saccade, vous voulez pas le voir. Enfin, vous le verrez dans le premier stream, hein, si vous avez regardé. Enfin, quand ce sera diffusé sur YouTube. Et ouais, voilà, bah, ok. Tuer les surchromés, il m'en reste encore un. Ça doit être les gros avec les... Ah avec les méga sulfateuses. Hop, hop, hop. Faut vraiment faire la roulade dans l'instant, quoi. Sinon, c'est mort. J'ai l'impression de faire que fuir dans ce jeu. Je suis une éternelle fuite. Et donc je disais, oui, avant d'être interrompu par ces malhonnêtes et ces malotruches, oui. Privilégier le SSD pour l'installation, hein. Moi je l'ai carrément désinstallé, et là je l'ai réinstallé sur un SSD, et ça arrive à ramer encore par endroit. Là-bas, il y a de la life, hop 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 hop, du calme, doucement, chaque chose en son temps. Je l'ai senti celui-là, je l'ai senti, je brûle, je crame, je... Aïe, bobo. Qui va pas me laisser aller chercher ma santé. Et voilà, c'est fini. Quelle haine. Bon, l'avantage, c'est que ça m'a cliné la plupart des gars. Il me reste plus qu'un gros avec ses lance-missiles défoncés. Que j'ai... Ah bah voilà, quand on parle du gros, on envoie la queue. Ça fait pas plus de dégâts, il manque un coup à bout pourtant, je trouve. Ce serait terrible. Il résiste, lui. Putain, mais crevez les gars, faites quelque chose, soyez sympa. Ouais, c'est bon. Finishing. Average what you are.
Ce fut laborieux, les amis. Très laborieux. Il faut que je redescende tout en bas. Je vais voir s'il n'y a pas des bonus. Non, tout à gauche, ok. Un petit peu de life. Oh oui, papa, il va être content. Allez, on retourne là-bas, c'est bien à gauche. Ok, c'est parti. Allez, au point de rendez-vous. Bon, du coup, je suis très content, mine de rien, d'avoir perdu pas mal de vie et de me faire mettre des branlées régulièrement dans ce jeu. Parce que contrairement au Diablo, Diablo, fallait le mettre direct en mode hardcore pour pouvoir avoir un challenge. Là, il n'y a pas besoin, vous avez vu, je démarre et je me fais vraiment ratatiner. Peut-être parce que j'ai pas l'équipement approprié non plus. Et il faudrait que je développe la partie... what? C'est pas mal, ça. Ah, mais c'est trop drôle, j'adore ton humour. Utiliser des crédits, j'ai pas tout compris, toutes ces machines que je peux utiliser, mais je pense que c'est pour me requinquer, mais je suis à bloc, donc on va s'en passer et on va faire le con. C'est quoi ce truc à gauche aussi? C'est une machine que je peux utiliser? Oui, il y a encore des tas de choses que je dois éclairer qui sont pas très limpides pour moi. J'ai même pas eu de coffre à la fin quand j'ai flingué le dernier. Quoi. Et il y a peut-être un boss maintenant. Tiens bon. Ok. Je pense que je vais me prendre soit un flood, soit un boss. Mais ils vont pas me laisser partir comme ça, les gars. Salut. Ça a l'air sympa. Toi, au moins, tu sais taper à la porte. C'est pour moi, ça. Ah, mais il est avec des potes, en plus. Moi, je vais rentrer à la maison. Je vais me faire un petit thé, je crois. Non? Allez. Oh, putain. Il n'y a même pas d'explosif pour foutre le bordel et me débarrasser de ces têtes de ce que vous voulez, de toute façon. Oui, j'ai pas fini de faire des cuplettes, là. Oh, putain. Oh, putain. Moi, moi, moi. Doucement, doucement, doucement. Calmement. Putain, je vais me faire défoncer. Et c'est important de se mettre accroupi parce que c'est important, voilà, c'est tout. J'ai pas le temps de discuter, enfin, on discute pas les ordres de toute façon. Ça va mal se passer, je sens. Pas une bonne idée. Allez, de se faire prendre en tenaille au milieu de ces abrutis. What? Pas tout de suite! Pas tout de suite! Non, gardez-le de côté! Ah, mais il a. Mais c'est une famille de dégénérés en plus. Ça va être beaucoup plus simple. Oh non! Pourquoi? Mais j'ai pas dit oui, moi! Oh putain! Regardez-moi ces gros nénesses! Oh, aïe aïe aïe! Oh putain! Non, 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 tu ne fais pas ça! Tu n'as pas envie. Putain de con. J'arrête pas de bouger là. Je tire un peu dans le vague. Hein. Je sais pas où ils sont, mais je sais qu'ils sont dans le coin. Ah non. 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 Allez, les frères, tape dur. On va s'en occuper. Écule et je dégueule. C'est leur nom. Non, j'ai dit non. Pas les affaires, notre affaire. Petit. Vini, vini, vini. Bouillou, bouillou, bouillou. Oh, qu'il était mignon. Oh, qu'il était mignon. Il n'avait pas fait son rototo. Ça doit être ça, il a pas fait son rototo. Oh, putain. Pourquoi j'ai dit yes? Pourquoi j'ai dit yes? Le weapon, je veux. C'est solide à cet âge-là, hein. Ah ouais, 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 enfin, j'entends bien, ça c'est sûr. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas. Mais bon, c'est pas grave. Cuplette, on y va. Arrêtez de bouger, vous avez raison, ne bougez plus. Ah, photo, photo, photo. Cheese. Fromage.
nos fromages. Oh, tristesse. Bouge pas, j'arrive toi. C'était explosion porn là, si je puis dire. Je sais pas si ça existe comme expression, mais je l'invente exprès pour ce jeu. Ils veulent pas crever les gros. Non, j'ai pas l'impression. Faut vraiment tout le temps bouger. Allez, hein, qui va y aller là? Un petit effort, gros. T'es presque mort. Ouais. Oh, ça m'a remonté ma life, ça c'est cool. Bon, maintenant on va essayer de s'appliquer. Faire ça moins porcin. Et plus avec le... Comment ça s'appelle? Le truc qu'on a dans la tête là. Cerveau. Oh oui, pas content lui. Du calme les gars, du calme. On pourrait être amis. Potentiellement, c'est une théorie, mais... Quoi? Non, j'en ai pas. L'argent? Non, j'en ai pas non plus. Mais arrêtez de demander des trucs impossibles, quoi. Je sais pas, un petit bisou. Pff, moi je tourne. J'ai cette musique dans la tête, cette musique sourde des tempêtes. Et... on va y arriver. À force de tourner, de toute façon, c'est la technique du diablo, ça. Wouh. Descends, petit. Recharge. Roulade, on y va. Faut pas que je le foire maintenant, ce serait moche. Vous êtes d'accord avec moi? Ce serait vraiment très moche. Regarde-moi cette tête d'anu qui ne demande qu'à se faire. Ah non, 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 non. Not now, not now. Don't fuck me now. La 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 la. Il y a de la life là-bas. Récupère-la vite, bonhomme, et fais ta roulette. Allez, hop, on y va. Tourne. Hop. Il y en a plus qu'un là. Allez cabot, on va y arriver, je vous le dis. La résistance elle est futile. Que dalle, la résistance elle est pour moi. Regardez moi ce gros badaboué. Ouh, il est un peu près de moi je trouve là. Ouais c'est ça, cabot. Yes, yes. Fuck, yes. Oh, oh, je me mets à genoux là, avec les bras en l'air, comme dans les scènes du Vietnam. Yes. Et pendant ce temps, la recette du White Russian s'affiche dans le chat. Si ça, c'est pas une magnifique synchro. Raging success. The other bosses are on board. We'll begin coordinating our cluster SIs and redistributing vital supplies in a few hours. We still have plenty of work to do, but this is as good a start as we could hope for. But who the flaming fuck were those amped up flatliners? Damn it! I need more problems about as much as I need a rectum on my forehead. And yes, I know there are a few evolutionary dead ends like that around, but you get my drift. Someone's pinging me. Hang on. Pony here. Yes. Yes. No. Fuck. That was Admin Denker. While we were splooging all over ourselves here, someone went and grabbed a whole bunch of habbers. My habbers! Seems the attack here was a diversion for the kidnapping. I gotta get back. Don't stray too far! I have a feeling we'll need your help again soon. Bon les amis, on va s'arrêter par ici, par là. J'ai rien à récupérer, moi. Et normalement, le boss, quand il crève, il y a plein de trucs qui tombent au sol et on peut les ramasser. Là, il y a juste de la viande périmée. Un coffre. Mais c'est pas comme ça, les gars. En tout cas, très bon jeu. Très satisfait. Je suis pressé que vous me rejoigniez et qu'on monte un clan à 4 pour mettre sang, chaos et tripes de partout. Des murs au plafond dans ce jeu. Qui est un très chouette renouveau du Diablo-like, mais version cyber. Je vais aller voir jusque là-bas. Je suis pas allé voir bout. Faut qu'il y ait un petit coffre planqué pour Bibi. Bibi. Ok, ok, boss, je viens. Oh, mon gueule, papa. Changement de position. Ok.
Et donc oui, je pense qu'on aura l'occasion de le restreamer en multi, parce que ça doit vraiment, vraiment, vraiment envoyer du très très gros, et ça doit être spectaculaire. Allez, moi je vais couper le stream ici, tiens, c'est très joli, on va se trouver un joli point de vue. Non? Plus loin? Ok, plus loin. Pff, comme vous voulez. Je vous souhaite une bonne continuation en tout cas, et puis on se retrouve tout bientôt.